Il n'en est pas à son premier coup d'éclat. L'artiste russe Piotr Pavlensky, connu pour s'être cloué les testicules sur la place Rouge, a mis le feu aux portes de la Loubianka, siège historique du KGB. Des images qu'il a postées sur un réseau social le montrent debout, devant les portes en bois du bâtiment, un bidon d'essence à la main, immobile devant les flammes. Un policier finit par arriver en courant et le saisit par le bras. Il risque jusqu'à 3 ans de prison pour vandalisme. Dans un message accompagnant la vidéo, Piotr Pavlensky baptise sa performance la menace et dit vouloir attirer l'attention sur la politique de la peur, imposée selon lui par le FSB, successeur du KGB. L'artiste est connu pour ses performances radicales et politiques. En 2012, il s'était cousu les lèvres en signe de soutien au groupe contestataire Pussy Riot. Il a également été arrêté en 2014 pour s'être coupé un bout d'oreille, nu sur le toit d'un hôpital psychiatrique, pour y dénoncer les internements abusifs.